Vous êtes sur RTL. Il y a un siècle. Ben oui, maintenant que le Tour de France est terminé, revoilà. Ça faisait un siècle qu'on n'avait pas entendu ça faisait un siècle. Heureusement, on se retrouve tous les soirs maintenant. Oui, Amandine Bégaud, comme chaque soir. Vous avez fouillé dans les archives et pour commencer, on remonte très très loin au 18e siècle. En 1792 précisément, c'est cette année-là, le 21 septembre donc, que la monarchie est officiellement abolie en France. Après 8 siècles de règne ininterrompu, voici la République, première du nom, 4 autres, vous le savez, suivront. Vive la République, vive la France. Un siècle et demi plus tard, autre combat au sens propre du terme. Cette fois, Marcel Cerdan affronte l'Américain Tony Zale. Nous sommes le 21 septembre 1948, un événement sur les chaînes de télé américaines. Cerdan est même filmé à sa descente d'avion. Ils ont un petit peu du mal avec la prononciation. Quelques heures plus tard, en tout cas, le Français sera sacré champion du monde de boxe, champion du monde des poids moyens. The winner in the 12th round, Marcel Cerdan. Autre 21 septembre, nous sommes cette fois en 1961, un jeune homme enflamme l'Olympia. À votre avis ? 1 600 000 disques. Elvis Presley ? Non, Johnny Hallyday. À 18 ans, c'est Johnny juste, Hallyday là ? Eh oui, en 1961, il fait cette année-là son tout premier Olympia. Nous étions un 21 septembre. Et puis 21 septembre 2016. Coup de tonnerre à Hollywood. Angelina Jolie et Brad Pitt divorcent. L'actrice a demandé le divorce et la garde de leurs 6 enfants. Elle ne supportait plus. Et l'info plus fait ce soir-là la une d'RTL Soir. Et oui, Thomas. Et on salue Marc-Olivier Fogiel dans son art connu, La Voix. Autre 21 septembre, le 21 septembre 2001, c'est celui sur lequel vous avez choisi de vous arrêter ce soir. Oui, ce jour-là, à 10h17, une énorme explosion secoue la ville de Toulouse. 20 minutes plus tard, flash spécial sur RTL. Instantané RTL, 10h37, une très forte explosion.